Ah, j'ai oublié d'ouvrir mon micro. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de me dire que les deux bagnoles, là, au moins elles font barrage routier, je serais peinard. Oui, pardon, comme un dimanche matin, je suis baba cool. Alors, le peu de trucs que j'ai dit, micro fermé, vous voyez, on sent la fatigue de la semaine. Si j'ose dire. Oui, moi j'apprends déjà ma semaine prochaine parce que je l'ai pas complètement organisé et j'ai une longue liste comme le bras de choses à faire. Enfin bref, je vais pas vous enquiquiner avec ça, mais
Bref, je me vide la tête aujourd'hui, vous voyez. Alors, je fais pas de Final Fantasy, vous l'avez remarqué, Coucou. ce samedi matin, pour aujourd'hui une scène. Parce que là, je suis en train de modifier ma config chez moi au niveau aménagement et les consoles, elles sont au rebut le temps de quelques jours. Je vais faire un cumul de. En gros, je vais monter en colonne les PlayStation, la 2 et la 3. Et en plus, j'ai eu un incident avec la 3, malheureux, où j'ai renversé un liquide. Je me suis fait avoir par une bouteille en plastoc, dont le fond, je n'avais pas vu, était pété. Donc, quand j'ai posé sur ma table, elle s'est renversée. Et c'est bien, elle s'est renversée de manière à ce que ça pète le bouchon. Donc, la flotte a coulé. Et en fait, ça, par une énorme giclée, c'est parvenu à atteindre ma PS3, qui va rester encore désactivée plusieurs jours parce que. Les jetons à ce qu'elle ait pris la flotte, donc j'espère qu'elle va redémarrer la prochaine fois que je m'en servirai, normalement dimanche prochain. Mais bon, bref. Voilà, vous savez tout. Ah, mais bien sûr! C'est la barque qui a servi à livrer les armes qui a été coulée. Ah, la vache. J'étais en train de me dire, mais c'est quoi ce bordel dans le quai? J'avais oublié. Mes giclées sont dangereuses, oui, bien sûr, tu ne saignes. Non, mais c'est le truc con, hein, des bouteilles en plastoc, tu fais pas gaffe, quand tu les achètes, elles ont une beigne. Et la mienne que j'ai achetée, elle avait la base qui était pas plate. Donc, comme un igot, moi, je la pose sur ma table et. Magnifique, elle est partie en roue libre. Enfin, j'en rigole parce que ça s'est plutôt bien passé, mais j'aurais eu un truc actif, une cafetière, je sais pas quoi. Sans commentaire, si j'avais eu un appareil allumé qui aurait été saucé, je la cata quoi. Ah, ça arrive vite, hein, les documents, les accidents domestiques. Alors attends, la marina. Ah, ils sont dans le. D'accord, je suis en train de prendre possession des lieux parce que je me dis, mais où sont les mercenaires? Ils sont tous concentrés dans le bar. Alors, tant que je fasse le plein de tout. Ok. Change pas mes flingues, ils sont bien. Il faut juste que je refasse le plein de munitions. Voilà, c'est là que ça se passe. Bon, moi j'ai le bug du message, vous avez quitté sans encombre la zone de cessez-le-feu qui va jusqu'à la fin, on l'aura. Un bug très con. Je suis Mais bon. ici. Oui, j'ai vu que t'étais là, ma grande. Emma Antel. Rebonjour. Oh, lui me dit Les quelque gens parlent chose. de vous. L'information circule vite ici. Toujours pas de signe du chacal. C'est devenu un fantôme. Et j'espère toujours retrouver mes cassettes. Vous n'êtes pas tombé dessus par hasard? Hé, j'ai des nouvelles. Eh, calmos, il y a tout le monde qui me met le grappin dessus. Génial! Si j'étais censé, j'aurais l'argent pour vous payer pour ça. Mais je suis nul en marchandage et mon employeur n'a pas voulu inclure ce genre de frais dans mon budget. Et dans ce joli monde d'aujourd'hui, les journalistes ne gagnent vraiment pas grand-chose. Merci pour les cassettes. Ici, il y a un homme avec plein de passeports. Il y en a. Je crois que toi aussi, tu veux vite partir d'ici. Le temps que je fasse le tour de la table, il l'a mal pris. Witchfire, la sorcière de feu. Ah, je connais pas, une scène. Je regarderai à l'occasion. Ici, il y a un homme avec plein de passeports. Il y en a beaucoup, plus d'une centaine. Les passeports valent très cher. Tout le monde veut partir très vite de ce pays. Oh, shit! Je suis content que tu sois ici. J'ai un problème. Ah, génial, ma webcam s'est mise en grève. Bon, bah alors, comme ça, vous aurez une image fixe de moi aujourd'hui. Oh Alors, putain. je touche à rien et en fait, je sais pas pourquoi, je suis parti. Mon perso est parti tout Ce gars est seul. stupide. Il ne mérite pas de gagner beaucoup d'argent. J'ai besoin de quelqu'un pour aller au club de vacances et détruire la valise. Tu le fais? C'est cool. J'aime créer des problèmes à cet enfoiré. Ah oui, je reviendrai Je vais les être là quand voir. tu voudras. C'est pas la porte d'à côté.
Oh bordel. Alors ça va paraître surprenant, mais je vais faire un choix de trajet de bus qui va être plus long mais moins mouvementé. C'est surtout que je suis passé quasiment par le désert, donc j'aurais une vue de ceux qui vont essayer de m'attendre. Enfin, un peu débile lui. C'est un FPS entre Doom et Dark Souls. Ah, ok. Enfin, c'est pour les FPS qui manquent à faire. Mais tu fais bien de le mettre dans la liste, un jour arrivera. Quand, je sais pas. Merci de ta suggestion. Je suis un abruti, je vais dans la direction opposée de là où je voulais aller. Ah non, cette traversée est beaucoup plus technique. Encore que... Je me sentirais plus à l'aise si je passe à l'opposé par le désert en prenant le bus. Merde, j'arrive même plus à lire où est la route. Apparemment, c'est un jeu qui est récent là, si je te comprends, parce que de voir accès anticipé, en espérant qu'il soit pas trop gourmand en ressources matérielles, parce que j'ai peut-être pas le bon ordi pour le faire. Il faudra attendre un paquet d'années avant que je réinvestisse dans un nouvel ordi. Enfin bon, t'inquiète pas, d'ici là, je prendrai l'information. Là. Ah oui, merde, c'est vrai que j'ai pas balayé les sauvegardes du jeu. Donc il va comme planter pendant de longues secondes avant de me redonner la main. Tout va bien, la situation est sous contrôle. Amalia. Ah, tu fais comment, gros nigo? Aïe, 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 aïe. D'ailleurs, c'est con, mais leur véhicule est vraiment plus pratique. Ouais, merci pour les références, une scène. Ah, c'est bien, parce que je rappelle que le fait que tout ce que vous inscrivez dans le chat, moi, je le récupère dans un fichier texte, hein, les fameux rapports log, comme on le dit en informatique. Ce qui fait que tous vos propos sont archivés, donc j'aurai aisance à consulter ultérieurement vos références.
Oh, pardon. Ah, je baille comme un sac, bon. Merci, Tunsen, c'est cool. C'est vrai que je suis pas un Terminator. Me présenter à eux comme un ego droit comme un i sur la route est pas malin. Le mec qui se croit invincible et qui va stopper net la bagnole rien qu'en se mettant devant. Allez, je vais les laisser arriver à moi. Arrivez à moi. Voilà. Merci, au revoir. Et de mage, oui, alors oui, bah en fait tout est à refaire. Tout est à refaire. De manière trop Ramboesque, c'est pas valable. J'y suis fou. Tiens, sans indiscrétion, tu une scène à tout hasard. Ce qui me trotte dans la tête, l'idée de te voir un jour enfin en direct. Et le plaisir de converser directement avec toi, que tu nous répondes en audio, là, à l'oral. T'as pas de date par rapport à ton envie de diffuser sur Twitch, t'as rien de concret dans l'immédiat. La diffusion Twitch, pas encore, mais ça va arriver, les saucisses s'enclenchent doucement. Ah.
Ouais, mais c'est bien. Là, je veux dire, t'aurais une réponse plus négative en disant je suis coincé, je suis au point mort, on m'aurait attristé. Mais c'est cool. C'est cool. J'ai le choix de la couleur, j'ai le choix du modèle. La bonne blague. Les bonnes blagues. Ouais, c'est vrai que j'ai fait usage de quelques munitions. Donc en récupérer n'est pas un mal. Merde, la malaria qui me les brise. La malaria qui me les brise. Dar la dir la dada. Ouais, c'est pas la porte d'à côté, vache. Non, j'ai pas besoin. Ouais, je suis au taquet au niveau santé. Ouais, tant pis, je prends le plus civil. Alors, je crois savoir, mais je parle au conditionnel. En n'étant pas certain de mes dires, mais je crois savoir que avoir la Jeep bien sponsorisée, là, celle-ci, en version civile, elle est un poil plus rapide que la version militarisée des OC. Bon, bah, ça n'a pas duré longtemps. Oh là là. Ok, ils étaient très déterminés. Oh la vache! Vache, le salopard. Il m'a eu. Alors, je ne me voyais pas avoir un trajet aussi mouvementé. Du coup, il faut que je pense mon chemin de vie différemment. Bonjour, Nayane. Ils sont déterminés, les... Ah oui. En fait, il barre la route. Le mec, il passe sur la route. Oh la vache. Ouais, non, vaut mieux que je répare ma bagnole parce que je vois pas aller loin sinon.
Là, je crois que je suis à 60% du jeu, donc... Oh la vache! Salopard! D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, mais je suis en plein écran. Quelques missions secondaires, hein, je vais vous le fumer, le Far Cry 2, vous savez que je l'aime bien. Donc je vais pas louper une seule mission. Là, des sessions de jeu, donc des sessions qui durent en général 2 heures, 2-3 heures, je vous en ferai pas 10 à l'avenir. Je pense pas qu'il m'en reste suffisamment de contenu. Je dirais plutôt 4-5. Attends-toi à ce que le Far Cry 2, je le finisse fin octobre. Et je reviendrai, une fois que j'aurai bouclé le jeu-là, je reviendrai à Dying Light. Oula, 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 oula! J'ai la bagnole qui se prend dans les rails du chemin de fer. Ce qui serait amusant, mais malheureusement c'est pas le cas, c'est que j'ai un véhicule entre guillemets classique, avec la mitraille classique. J'aurais eu le lance-grenade. Je me serais amusé comme un petit fou. C'est plus mon véhicule, moi je vais réparer. Ah non, il est là le mec. Bon, je le touche ou je suis trop loin? J'ai l'impression que je suis trop loin et que ça compte pas pour le jeu. Ah si, je l'ai tué. Allez, viens me voir, mon grand. On rigole. Voilà. C'est chaque beau. Le thème sur ton gris ajoute un cachet particulier au G, sachant que je suis tout coloré. Tu m'étonnes. Non, et puis vous étonnez pas, hein, je me répète depuis tout à l'heure, mais vous aurez constaté, les plus observateurs d'entre vous, que ma webcam est en grève. Non, mais oh, tu m'enfonces pas du tout, Nayone, en faisant cette remarque. À ça, je te répondrai. En fait, mon point de vue à ce niveau, c'est que là, c'est ma partie égoïste de mon expérience Twitch. C'est-à-dire que je fais les jeux qui me plaisent, forcément. Donc, vous m'imposez des jeux à faire, non. D'ailleurs, vous voyez, contrairement à d'autres diffuseurs, avec ma boutique de points, je ne vous propose pas l'option changer de jeu ou j'impose tel ou tel jeu au diffuseur. Avec moi, non, ça prendrait pas, parce que j'aurais pas de plaisir à jouer ça, à faire cette démarche. Donc, par contre, il y a la possibilité de me suggérer des jeux, exactement comme vient de faire tout à l'heure une scène, avec la commande JAF pour jeu à faire. Et là, il aimerait bien me voir à l'avenir sur Witchfire. Jeu que je connais pas, mais comme il m'a donné des références dans le chat, j'irai découvrir ça dans les prochaines heures. Après, ce sera Limbo Inside. Démineur Windows. Oh putain, tu me mettrais dans une nostalgie, Twin Sen. Le Démineur Windows. Mon dieu. Et puis, adolescent, il m'aura fallu du temps pour comprendre le principe du Démineur. Parce que j'ai passé les deux premières années à jouer au Démineur Windows en cliquant comme un abruti dessus. En croyant que c'était un jeu de hasard. J'avais pas compris que c'était un jeu de logique, en fait. Mais ouais, le Démineur Windows, oh là là.
Bah heureusement que les jeux que tu fais te plaisent. Si ta communauté n'est pas d'accord, tant pis pour eux. Oui, bah dans le sens là, là aussi, hein, ma réponse est toute trouvée. C'est-à-dire que c'est comme du temps de la télévision, c'est le spectateur qui a le pouvoir, il a la télécommande en main. Si le contenu ne lui plaît pas, au lieu d'essayer de s'efforcer à modifier le contenu qui passe sous ses yeux sur son petit écran, il a qu'à zapper et aller voir une autre chaîne. La 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 la, je suis un monstre. Il y avait pas un dépôt de munitions ici. Ah, ma mémoire ne m'avait point trahi. Oh, il y a du peuple là-bas. Oh merde, je recharge mon truc. Ah non, je crois que c'était un véhicule, mais non. Le décor m'a trompé. Rien de tout cela. Trousse à pharmacie, ils avaient pas. Ils devraient avoir. Oui, elle est en grève, ma webcam. Ouais. Oui, bah elle restera en grève. Désolé hein, si vous voulez voir ma frimousse s'animer. Mais elle a lâché dans la première minute. Je vais pas me battre avec. C'est ça. Tant pis pour elle. Une webcam gilet jaune. Non, non, c'est une webcam syndiquée. Et là, elle refuse de travailler. Oh, c'est pas vrai, j'avais même pas vu Torota qui était en train de se lancer dans un 24 heures, j'ai l'impression là. Il en est à 16 heures de direct, mon dieu, mais j'avais même pas vu. Oh non, l'arbre a dévié ma grenade, bordel, c'est pas drôle. Il va devenir zombie pour. Alors c'est bizarre, on voit que la présence de l'arbre en tant que hitbox techniquement dans le jeu, c'est-à-dire en tant que volume complet, ça a complètement bloqué l'intelligence artificielle du. Oh oui, j'allais dire, je suis là. Ah merde! Ça va devenir un zombie, ça va débloquer les succès Twitch. Ah, Twinsen. Twinsen. Torota, je voulais dire, pardon. Torota, merde, du coup, je m'en veux de pas lui avoir fait un coucou. Je savais pas qu'il faisait une nocturne. En même temps, hier, je vous avouerai que j'ai fini mes courriels pro, il était quasiment 22 h. Donc je suis littéralement couché après. C'est quand même dingue, qu'est-ce qu'on attend? Reste à ton poste. Qu'est-ce qu'on Allez, attend pour faire la fête? Il faut rester ici et tu le sais très bien. Ouais, non. Ma technique n'est pas la bonne. Et c'est rigolo. Ma première approche était bonne en fait. En dehors de la première grenade perdue, la seconde a fait un strike. C'était magnifique. Attention, attention. Joli. Comment que je les ai eus? Garde ta position. Non, là j'ai eu toute beauté. Ah,
Salut. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était le seul mot. Bah oui, j'allais dire. Quel bordel. Ah oui, c'est vrai que j'ai un 9 mm grâce à mon partenaire. Bah, ils sont où les survivants? Attends, il y en a pas un qui avait une grenade sur lui? Bah, d'où il tire? Ah, ils sont à l'opposé. Bien, on a bien eu. Parce que là, je m'attendais pas à me faire contourner. J'avais l'idée que j'avais en tête était de faire péter à la grenade la Jeep que j'avais à vue, l'orange, mais croyant qu'il y avait encore du monde de ce côté-là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Merde. C'est d'un ridicule cette scène. Toubib, allez chercher le Toubib. Aïe 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 aïe. Je confonds mes touches, moi, y'a pas à dire. Alors c'est bien, la manière dont je suis coincé entre les deux véhicules. Je suis tranquille. J'ai deux blocs moteurs qui me protègent d'une part et d'autre. Bon, effectivement, s'ils ont l'intelligence de déclencher l'explosion des réservoirs d'essence, là par contre je suis dans la merde. Ce n'était pas la bonne stratégie, ils sont plus malins que ça. La bizarrerie des... Des chargements là de sauvegarde. Oui, bien sûr. Je suis là. Ah, c'est bien, il a eu un bon réflexe, la vache, j'ai pas eu le temps d'appuyer sur la gâchette, il m'a... Le mec est pas nerveux du tout. Donc il y a du monde dans le train? Non. Non, il n'y a plus rien ici. Puis c'est pas comme si c'était la limite du désert, la limite de la carte. Non, non, faut arrêter la déconnade. Faut arrêter la déconnade. Eux là, ils avaient pas pharmacie? Non, j'ai pas l'impression. Non, ils avaient que plus qu'un. C'est moi ou j'entends un véhicule? Non, bah j'ai des hallucinations. Thank you.
Sérieux? J'ai deux clampins sur le bord de la route? Ah ouais, ils sont sérieux. Il s'est bien planqué. Alors, par rapport à mon objectif. D'ailleurs, quel est mon objectif? Je ne le sais même pas. Aller au club de vacances et détruire la mallette avec les passeports. Ah oui, c'est vrai. C'est une mallette à faire sauter. Donc déjà, je pourrais pas faire sniper la mallette. À moins qu'elle soit à côté d'un bidon d'explosifs. Ça va être un peu particulier. Alors, si je coupe à travers... Bonjour Christella. Oui merci, bon dimanche à toi aussi. Oui bah ça se passe là. Ah oui, d'accord, pour... non, je comprenais plus. Je croyais qu'il me proposait de réparer le véhicule, là. Non, sort du véhicule. Ah, je comprenais plus le jeu, là. Voilà, que je suis en position de snipe. On va regarder d'abord la situation. Ah, j'ai eu peur. Je me disais, mais c'est quoi devant moi? Donc, la mallette... elle serait par là-bas. Ah, génial, la végétation ne m'aide absolument pas. Est-ce que j'ai un tonneau d'explosif? Est-ce que je peux faire flamber tout le bordel? Parce que la classe, ce serait de détruire la mallette à distance. En faisant flamber l'installation. Sauf qu'à vue, là, je vois rien d'intéressant. C'est cette casse-bas là devant moi qui devrait contenir les documents. Celle-ci. Ouais, parce que ça, c'est des trucs de. J'ai pas l'impression qu'il y ait des explosifs. Alors, à moins que je puisse m'approcher et balancer une grenade. Ah, mais il y a de l'eau. C'est pour ça qu'ils sont surpilotis. Ah, ah. L'endroit n'est pas sec. Lui, il va me poser problème. Non. Oui, j'allais dire, faut arrêter la déconnade, j'allais arrêter personne. Le mec, il était isolé et il a gémi. Monsieur lance-roquette, je crois savoir. Que j'ai alerté, que j'ai loupé. Magnifique, donc ça va être le bordel maintenant. Ah, bonjour Eurostar. Bon bah j'espère que tout le monde va bien. Merde, j'ai pas assez de portée. Ah bah. C'est bien, ils se mettent le feu eux-mêmes. Ah, je pensais que j'avais une portée de jet plus importante, mais que nini. Oh bah là, je vais l'allumer, forcément. Ça va bien? Bon bah c'est cool.
Merde! Joaquin Casbah derrière, non? Ah non, c'est la montagne. Parce que j'étais en train de me dire, ça y est, j'ai enflammé le mauvais bâtiment. C'est vrai qu'il y a une Casbah derrière. Ah oui, j'ai plus de... C'est vrai. Ouais, non, de si loin, je pourrais pas les abattre. C'est une arme de poing. Ah bah, je suis déçu. Mon approche, elle est naze. Ah non, mais là, je vais me faire avoir en beauté, quoi. Ah, je pensais que la méthode pyromane incendiaire, c'était la bonne, mais pas du tout. Ah, j'ai gagné une grenade. Le mec avait une grenade sur lui. Enfin, je crois. Ah, je peux pas la tirer. Elle était peut-être mauvaise, je sais pas. Allez, danse, McFly, danse. Alors, c'est quoi le document Reddit mallette. Ah oui. Oh, cette violence. Bon, bah, j'ai flingué la mallette en tirant dessus, mais le fait d'incendier l'endroit là où elle est, ça fait pas grand chose. Bon, bah, c'est pas cool dans le sens que je suis à poil. C'est-à-dire que j'ai plus de munitions. J'ai balancé tous mes explosifs, les molotovs, les grenades. Et mon véhicule a visiblement disparu. Au nom où il était là-bas, c'est pas grave. Je suis plus assez près. Ah, ils ont du matos sur la rive opposée. Ouais. J'ai semé un tel chaos, un tel désordre. Ah, j'ai des soins. Ça, c'est cool. J'ai quelques munitions quand même hein, dans leur installation à prendre. Il y a 2-3 trucs. Ah bah voilà. Ça c'est cool. Et l'autre truc était où? Ah, il y a un mec au-dessus de moi. Ouais, il y a du monde. Ah bah voilà. Ah, t'as les deux bêtes, mec. Je vais te planter les plus bêtes, tu vas voir. Cool, mec. On est dans la même galère. On voit que c'est la nuit, hein. Les gars, ils me voient même pas. Ils ont perdu en acuité visuelle, mais quelque chose de grave. Ils sont devenus bigleux. Je me bats en navire. Alors, mission secondaire, pylône avec une cible à abattre. Il y a un pylône radio pas très loin d'ici. Ah oui, c'est vrai que l'angle est trop fermé de ces machins-là, c'est dommage. Bah, ils me verront même pas.
Et ben voilà. Comment ça, tous les objectifs en cours seront abandonnés? Ben, j'avais pas d'autres objectifs. Ah si, merde! Oh là là! Oh, il faut que je revienne faire mon compte rendu avant d'accepter une nouvelle mission. Ah merde! Alors je peux retourner sur l'embarcation. Ah merde, Oum! Ah bah c'était tout sauf clair. Moi je crois que j'étais libéré de toute obligation. Oh là 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 là. Bon bah excusez-moi messieurs dames, hein, c'était une erreur. Pardon du dérangement. Oh le bordel. Oh la jolie lune. La jolie lune de Far Cry 2. Oh merde. Je voulais te feinter le mec à la mitraillette sur le ponton. Mais je ne savais pas que j'étais en train de me diriger dessus. Alors là je suis dans la merde. Allez butez-moi, on recommence. J'étais abruti là. Je m'étais concentré, focalisé sur le mec, sur le ponton au-dessus de moi, pour essayer de le gruger, mais... Là, ils n'avaient plus qu'à me cueillir en dessous. Aïe, 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 aïe. Bon, bah c'est reparti pour la promenade fluviale. Évidemment, la malaria qui nous vie. Je suis en train de me dire, il est vrai que j'aurais eu le lance-flamme pour la mission destruction de la mallette de passeport, ça aurait été ma classe de mettre le feu de cette manière là, mais je sais même pas si le jeu aurait accepté la condition de destruction par les flammes, parce que on a vu qu'il n'a pas super bien réagi à mes grenades et à mes molotov. Ça va, ma promenade sur le fleuve se passe plutôt bien. Non, je me trompe d'intersection. Je suis en train de me planter. Il faut que je m'engage sur ce bras de rivière là. Je crois pouvoir passer par là.
Double carte, le mec qui a vraiment besoin d'être super bien dirigé. Les joies d'une promenade fluviale nocturne en Afrique. Ah, c'est pas une atmosphère commune dans le jeu vidéo, hein, je le dis. Savourons cet instant. Merde. Alors eux, je pense qu'ils m'ont repéré. Il y avait une patrouille fluviale sur l'étang. Enfin, l'étang, non, on peut même dire que c'est un lac. Parce que vu la taille du point d'eau. Alors moi, il va falloir que je m'engouffre dans un delta. Ah oui, ça va, il y a un pont qui m'a dit. Ah merde, ils vont me briser. Coucou. Salut le chalutier. Oh la jolie cascade. C'est beau. C'est magnifique. Oh là là, c'est joli. J'adore. Afrique, Dieu, belle Africa. Où sont tes yeux bleus du Kankanika? J'arrive. Là, je défonce le quai. Gros bourrin. Oh, mais il est en feu, mon... Je savais même pas que j'avais un moteur endommagé. Ah, il a dégusté quelques balles. Quelques balles qui étaient pas aussi perdues que ça. Bon, bref, je suis arrivé à destination, c'est l'essentiel. Alors, avant toute chose, je vais refaire le plein de matos. Je veux vraiment être certain d'être au taquet. Je sais pas encore ce que je vais faire comme mission après, donc j'ose pas changer mes flingues. Il est évident qu'en grand professionnel, il faut que j'adapte mes armes au contrat que je dois honorer, là. Si c'est une exécution, une destruction, comme je viens de faire, ou je sais pas quoi. Bah, y a plus que toi, ma vente. Ah, y a quand même un mec. Alors, dis-moi tout. Non, t'as rien à me dire, tu boudes? À qui je fais mon compte rendu? Je fais mon rapport à qui? Xiang Yongbai, à la marina. Oui, il est dans le bar. Bah, c'est lui, Xiang Yongbai. Oh, shit! Qu'est-ce qui se passe? Tu as trouvé la valise? Ouais. Très bonne nouvelle. Bon. Ça me fait plaisir. Et toi? T'as rien à me proposer? Ils ont de ces regards. Oh l'autre, il fait tomber la cage à lapin, là. C'est un délicatesse. Ah non, vous avez rien pour moi? Oh, vous êtes une tristesse, les gars. Enfin, pardon pour la miss, mais... Sans offense. Bon, bah, comme on dit, je suis libéré de mes obligations. La question est, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans la capitale? Et puis, en allant dans la capitale, normalement, je vais avancer la mission principale. Ou est-ce que je me fais une mission annexe? Vous voyez les petites paraboles qui correspondent donc à un assassinat. Je vais tenter de faire la mission assassinat annexe. Je prends le bus, je me barre cette fois-ci au nord-est. Ouais, on va y aller peinard comme ça. Je pense que le scénario est idéal.
Oula. Je suis là. Non, ça marche pas la méthode Rambo, mon pauvre. Je l'ai essayé, c'est un échec. Alors, le petit bus. Ah bah c'est bien, c'est celui-là que je veux en plus. Allez hop. Vas-y, j'ai 20. À deux juges vendus. Dadi dadi dadi. Oh mon dieu, ça fait déjà une heure que je suis en direct. Oh, le temps passe à une vitesse. Enfin bon, je vous cache pas que j'ai le plaisir de me relaxer en votre compagnie. Pardon ? Ça fait du bien. Ça me rince l'esprit avant de me détendre le corps. C'est apprécié. Peut-être pas ce week-end, mais le week-end prochain. J'aimerais bien qu'on s'organise un Gartic Show. Je dessine pour vous et vous essayez de deviner. Pour qu'il y ait du monde, il faudrait presque que je le planifie dans mon Discord. Qu'on rigole comme des petits fous. Ça me plairait bien de faire un Gartic Show le week-end prochain. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas fait un et à chaque fois on se marre bien. Oh, je vais faire passer la nuit. Je vais aller dans une planque toute proche et je vais faire passer la nuit. Parce que la nuit africaine, elle est bien jolie, mais on n'y voit rien. Mais j'arrive pas du tout à me diriger, mais alors pas du tout. Attends, je me barre par là-bas. Aïe! Les dunes font mal. Elles sont pas petites. Quand t'es dans le désert, je fous ton latin. C'est quoi ce feu monstrueux? Bah. Pourquoi ça crame à donf là? Ça n'a pas de sens. Ouais, bon, bref. Alors j'y ai pas cru, mais je faisais face à l'entrée de la caisse bas. Mais vraiment, j'y ai pas cru. Oh, qu'est-ce que tu fous là, toi? Heureux de vous voir. Quoi que vous fassiez, certainement. Je comprends. Quoi que vous fassiez, je sais que c'est dangereux. Je peux rester dans les alentours si vous voulez de la compagnie. Ouais, bah je veux bien. J'apprécie d'avoir un renfort, un coéquipier. Alors attends. Moi, il faut que je fasse passer la nuit. Aché Bonanga. Ache nuna bonange nani. Awa nuna kashi wari nuna. Ache bonanga. Oh, bonjour cousin. J'espère que ton dimanche se passe bien. Allez là là là. Ashi bonyonga, ashi nyonya bonyongi. On fait aller, ouais. Ah là là, courage avec tout ça, cousin. Alors. Ah merde! Ta petite dernière qui a de la fièvre, ah non! Oh! Aérostore qui met en lumière mon
on va dire, oserais-je parler de parodie, ouais, hommage. Non, mais t'as raison, c'est ça, c'est une interprétation très personnelle. Non, mais le pire, c'est que ça va de soi que c'est un véritable dialecte africain de je ne sais plus quel contrée, merde, je l'avais pas vu lui. Et j'ai. Oh la vache. Violent d'être mercenaire. Et j'ai dû lamentablement, même phonétiquement, pas faire une interprétation correcte du chant. Mais le pire, une fois je m'étais renseigné pour avoir la traduction du chant. Et je sais plus du tout. Mais je m'y étais vraiment intéressé. Ah merde, la malaria fait bobo là. Oula, c'est la grosse crise de malaria. Bah oui, bisous à tes puces, cousin. Ouais. La petite Diana qui est fiévreuse, ouais, c'est pas cool. Putain, la vache, le nuage, comment qu'il est dessiné dans le ciel, le petit nuage. On pourrait presque croire que c'est un ovni et que c'est une soucoupe volante. Trop troublant. Bon, alors, mon antenne parabolique, elle est où, là? Oula, elle est loin. Elle est tellement loin que... Je pourrais presque soupçonner que l'autre, elle est plus proche derrière moi. Incroyable, mais vrai. Je vais peut-être avoir le culot de tenter celle-ci, en fait. Mais pourquoi il m'a mis un objectif en... Attendez... Attendez, je suis en train de flipper là. J'avais cru avoir un objectif en rouge. Bon, ça doit être un bug au niveau du panneau. Ah oui? Attends. Pourquoi il me fait une indication en rouge? Quand le panneau il est en rouge, en bleu, ou dans. À part le vert, c'est l'armurerie. Hein. Quand c'est en rouge, ça veut dire qu'il y a une mission qui est en cours. Ça, c'est un bug. Jusqu'à Mossaté, c'est les AO, j'ai pas d'objectif. Ou alors il indique l'endroit. Merde, je peux trouver une nouvelle mission. Merde, oh la vache, ils sont bons. Ah, il y a mon coéquipier qui vient m'aider. Voilà pourquoi je peux pas prendre la main. Tu vas mal, mon ami. Très mal. Les gars, oh, soignez-vous. Mmh. Oh la vache, avec le soleil de face. Ah bah les véhicules sont là-bas. Mais il est où le salopard? Ah, mon coéquipier a dû l'abattre. Ah, il y a du grabuge là-bas, mais... Alors, comme il y a mon coéquipier, mon problème, c'est que je sais pas qui est qui. Si j'abats mon coéquipier, ça va pas le faire. Bon, vu qu'il courait comme un dératé, c'est pas très professionnel, j'en ai déduit que c'était pas mon coéquipier mercenaire. Ouais, bizarre. Ah, oh mon dieu. Cette ambiance africaine, je ne m'en lasserai jamais. Bon, alors la Jeep, elle est réparée? Ah, c'est bien. C'est ça qui est beau. Donc je disais, la route à prendre, mais... Oh, je me barre d'ici. J'ai honteusement abandonné mon coéquipier, il va s'amuser avec le menu frottin. Là. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? Pas par là. Pas par là. Oui, bah non, c'est bien par là qu'il faut aller, là où il y a le boxon. Alors, il faut que je suis passé par là. Non, c'est pas la bonne route. Bah, je suis complètement désorienté. C'est le boxon. C'est la bonne route.
Hop là. Bon, je suis un petit peu du hors-piste. Je suis un petit peu dans le brise. C'est pas comme s'il y avait des souches d'arbres géants. Wouh! C'est le bazar, c'est le bon chien, c'est le bonheur. Merde, alors là il y a du top forcément, faut que je descende. Il n'y a pas un baril explosif et puis on n'en parle plus. Ah, il y a un truc qui a flambé, j'ai l'impression. Sans faire exprès, j'ai dégommé un bidon d'explosifs, là je sais pas quoi, de combustible. Et je suis en train de cuire déjà. Merde. Attends, faut que je me soigne parce que... Ouais. Parce que Bobo... Merde. Ah, c'est pas le... Malin le stick. Personne d'autre? Eh, j'ai du bol. J'arrive à préserver intact ma santé là depuis que je suis descendu du véhicule pour me soigner. Ouais, faut être vraiment observateur. C'est ce que j'adore dans les Far Cry. C'est que les décors sont bien riches, enfin bien équilibrés. Ils sont pas surchargés non plus. Eh, vous êtes obligé de faire une gymnastique au niveau de l'œil. Vous assurez qu'il n'y a pas quelqu'un qui est planqué dans les bosquets ou je sais pas quoi. Je crois que je les ai tous eus. Je dis bien je crois. Pas d'autres visiteurs. Bon, généralement, il n'y a qu'une seule patrouille par route. Hein. Faut pas déconner non plus. Ils sont pas 650 000 dans le pays. Ouais. Ah, le mec qui se fatigue pas, il prend l'autre véhicule qui est en meilleur état. Et il abandonne celui qui est en sale état sur place. C'est comme ça qu'on fait. Ah, ce barrage routier. Virez-moi tout ce boxon. Sniff. Alors, mon pylône, oula, il est pas tout... Ah, si, il est plus proche qu'il paraît, mon pylône, finalement. Tant mieux. Attends, c'est un bug, ça? Ah non, c'est pas un bug. De voir les oiseaux près de l'arbre, là, je comprenais plus, mais non, c'est un bug. Oula, les herbes sont sorties. J'essaie d'éviter de les dégommer. Merde, une patrouille. Voilà pour de bon, là on s'est loupé là. Attendez, que je reconsulte ma carte. Mais hé, ah bah. C'est même malheureux que j'ai pas vu. Je me suis arrêté au bon endroit. Eh bah, elle est là ma mission. Joie. Les loustiques sont de retour. Je fais quoi? Je fais une grenade ou... Ça peut être drôle. Tiens. Ah merde, c'est un molotov. Non, c'est pas drôle. Molotov met trop de temps. Eh, c'est sympa ça, me faire une livraison de véhicule. Oh non, mon arc a cassé. Oh. Ah oui, fusil à pépon. Fusil à pépon. Ja oui.
Ah, dommage. Ça aurait été rigolo que je m'empare de l'arme sur le véhicule et que je zigouille avec, mais bon. Ah, il m'a liquidé avant, ça va de soi. C'est drôle. Il vaut mieux pas qu'il essaie de me faire face. Ouais, on se demandait où est-ce qu'il est passé, le gars. Bizarre tank it range. Je résiste pas à l'idée de... faire sauter le véhicule joyeusement. Alors, ma cible, elle est où? Non, faut pas que je m'approche trop parce que ça, ça va exploser. Tu parlais pas dans la région aussi. Ah, encore que. Ouais, je vais faire le trajet en bagnole. Ah, le panneau! Ah, le panneau! Ah, trop rigolo! Ah. Les jouets du moteur physique du CryEngine. Oui, je pourrais faire le tour, je pense. Finalement, au lieu de faire demi-tour. Attends. Oula, ça crame encore là! Le mec qui pilote cette Jeep a une yo, j'ai trop la crash. Ouais, alors là, je me suis fourvoyé. Ah oui, évidemment, c'était pour passer en bagnole. Ouais. Non, mais je me suis mis dans la muscle comme un grand. C'est pas grave, je vais improviser. Quand y'en a marre, y'a marre à barre. Quand y'en a marre, y'a marre à barre. Vas-y, sors de là. Oh la vache. Ah merde. Mais qu'est-ce que c'est ? Je prends un ennemi. C'est bien, il recharge rapidement mon héros. My hero. Il y a encore du monde ou ça va ? Merde, il y a un véhicule. Oh. Mais attrape, idiot. Oh, il a eu Bobo. Voilà, boum. Ah, là, je peux être certain qu'il n'y a plus grand monde, là. Ouais, hein, c'est radical comme ça, comme approche.
La rôtisserie est ouverte. C'est abject ce que je viens de dire. Oh, ce carnage. Oh. Oh, encore un truc qui pète. Allez, boum. Chiki boum, ki boum, chiki boum, boum boum. Bon, j'ai fait usage de pas mal de munitions. Attendez, je vais peut-être réparer la Jeep parce qu'elle va peut-être encore me servir. Je vais peut-être reprendre ma route. Je sais pas si je vais continuer à pied ou par route pour une locomotion. En même temps, il n'y en a pas 50. Mais, ayant fait mon Rambo, il faut quand même que j'en mette la main sur des munitions. J'ai failli dire sur des substances. Le mec qui pense qu'au dopage. Voilà. De quoi ai-je besoin? Ah bah voilà. Trousse de pharmacie, j'ai pas tout. Ah bah. Là j'ai la totale. C'est quoi ça? Et bah voilà, munitions, magnifique. À même le sol. Il n'y a qu'à se pencher pour récolter. Le merveilleux butin. Ouais, petite voiture civile, je m'en contenterai pour la suite de la route. Ouais. J'étais sur la route toute la chaîne journée. Après vu le tout toute la chaîne. Oh, cette flotte. Heureusement que c'est pas profond, j'aurais noyé le moteur. Oula, il y a des animaux. Danger, il y a des animaux. Ouais, non, mais hey, vu la configuration de l'endroit, ils peuvent pas se barrer à 360 degrés. Il n'y a pas 50 solutions. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le détecteur de diamants, de mallettes, là, qui était en vert. Bon, ouais, les 1. Hein, j'espère de bouffer les animaux un peu dans tous les sens. Ah, il fallait que je me plaigne pour que j'ai un joujou à aller récolter. Alors, dans de rares cas, c'est une cachette. Une cachette. Une cassette du chacal. Mais dans 99% des cas, c'est plutôt une mallette à diamants. Je suis tout proche. Elle est pas cachée dans la végétation, la mallette. Oh non, ils m'ont mise en hauteur. Oh non, pariez combien que la formation rocheuse qui pointe son nez, là, c'est... Ah, on le voit, il y a des tonneaux. Oh, merde. Allez, si le tonneau enflammé descend sur moi, ça va pas le faire. Je vais être pris par les flammes, là. Oups. Oups, oups, oups. Voilà qui m'apprendra à faire le mariole. J'ai mis le feu à la vallée. Mais comment veux-tu que j'escalade ça à l'arrache? Par où faut passer? Il y a des moments où le jeu a abusé. Au niveau escalade. Puis faire des grands détours au niveau des formations rocheuses. C'est pas toujours la bonne solution. Alors, je crois savoir que dans l'éditeur de niveau pour les parties en multijoueur dans Far Cry 2, j'ai souvenir que dans le Crytek, enfin le moteur de jeu, il y a toujours une option pour les concepteurs de cartes d'instaurer, de poser des murs invisibles. Vous savez, le truc bien rageant pour le joueur. Ah. Mais on va pas se mentir, hein. Il y a des recoins de cartes, il faut s'arracher les derniers cheveux de la tête pour réussir à parvenir à l'endroit planqué. Il y a des cachettes qui sont plus ou moins bien conçues, et les mauvaises, franchement, il y a de quoi rager. Bien malin celui qui peut se vanter d'avoir fait un 100% sur Far Cry 2, c'est pas mon cas, hein. Alors que j'adore le jeu. J'ai
j'ai été mauvais au niveau de la collectionniste des mallettes ou des cassettes du chacal. Quoique il y a peut-être une partie, j'avais réussi à avoir toutes les cassettes. Mais en m'aidant d'internet, en ayant la carte. Mais les diamants, non. Mais non, mais comment voulez-vous que j'aille sur la formation rocheuse? Oh là là, mais c'est abusé. Non, j'ai même plus envie de chercher. C'est tellement anti-jeu que j'abandonne l'envie de récolter la mallette. Allez, on passe à la suite parce que ça va me gaver. La frustration est trop grande. C'est triste quand même. C'est triste. Ah merde, je suis parti à l'envers de mon... Là, je peux faire le détour sur ce site. Une armurerie, ça peut être très sympa. Oh, je vais peut-être changer, allez. Je vais changer mon attirail de guerre. Je vais changer mon attirail de guerre. Allez, qu'est-ce qu'on prend? Remplacement du fusil à pompe, je prends le super fusil de snipe. Je reprends mon bon vieux lance-flamme. Alors, je l'aimais bien le lance-flamme. Oh. Explosif ou... Oh là 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 là. Allez, c'est rigolo. On va se la jouer un peu en mode Terminator. On rigole un bon coup. Allez, zou. Oh merde! Ah bah tiens, on va tester l'arme. Coucou! Remboursez-moi! Il me manque déjà une munition. Ah. Voilà! Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, non, rien n'a changé. Et c'était pas ma cible. Ah, ah, qui est loin. Oh la vache. J'ai encore toute une portion de désert à traverser en bagnole, moi. Allez, ma cible, on va se la faire en mode Terminator. Je vais rester à pied au beau milieu de la route. Avec mon lance-grenade à la main, et je vais attendre que le véhicule me fasse pour le faire délicieusement sauter, quasiment comme je viens de le faire là. Avec la petite patrouille qui m'aura en visite, si je puis dire. Mais attendez, il y a peut-être le désert de la Muerte à traverser avant. Je pense pas que ça puisse se passer de coup repos. J'ai des gros doutes là-dessus. Calmos les gens. Tiens, mon véhicule il est où? Oh la merde, il va flamber vite. Et bah pour le coup j'ai bien fait de prendre le lance-grenade. Oh, il y en a encore un. Ah, je l'ai eu. Quoi? Qui c'est qui me... Oh
Wouah, j'ai un robot qui m'agresse. Il va se calmer. Ah, dommage. C'est horrible, j'ai voulu planquer avec mon couteau, mais j'ai pas le temps de me précipiter sur lui. Ah, on voit qu'ils ont des armes lourdes, ça rigole plus. Et c'est plus les lance-pierres du début de partie, là. J'ai envie de dire. Oh la vache! Il en met du temps pour charger. J'espère que ma sauvegarde n'est pas corrompue. Oula, j'ai l'impression que le jeu est en train de bugger. Le jeu, reviens-nous! Bah alors! Ah! Mais non, mais je ne vais pas entrer dans mon véhicule avec lui. Allez, sors-moi de. Oh là 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 là. Je voulais me baisser pour entrer dans le. Allez, c'est reparti pour un chargement interminable. Alors. J'ai pris le lance-flamme. Je pense que c'est la bonne arme par rapport au mec qui m'allume là. Tiens, j'en profite pour boire un coup. Alors, on pète le feu? C'est horrible. Oh, mais merde, il y a encore du monde. Oh là là, et puis ils sont 650 visiblement. On peut rien faire d'ici. Quelle merde. C'est bon, il y a tout personne. Si, encore du monde. Mais d'où il tire? Ah merde, il est mort. Wouah! Mais il y a quelqu'un. Non, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui a une radio là, parce que. Il y a un loustique, j'ai pas vu, mais il a appelé des renforts. Parce que là, pour me faire cerner par autant de mecs, je sais que ma tête, maintenant, est mise à prix au plus élevé du jeu. Donc, comme on dit en français, j'attire tout le monde. Tout le monde se précipite sur moi, en fait. Mais... Comment faire? Ah, c'est peut-être pour ça que le jeu met autant de temps à charger, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis en fait. Là, il y a du peuple là. Ouais, hop, lui il sort du busquet. Ah, il y a un village là, je vois une hutte. Ah merde, c'est peut-être un camp ennemi en fait. Le village est occupé par les. J'ai pas réussi à loger une balle entre les deux yeux du chauffeur. Bon, il faut se l'avouer que je garde le lance-grenade. À ce propos, vous devinez ce que je vais faire. C'est bien, ça va être très ramboesque. Oh, les images sont belles quand même. Il y a des écrans de chargement qui sont magnifiques.
Bon, l'autre qui sort des bois là, on dirait presque un corse qui sort du maquis. Allez, merde, j'ai loupé. Alors le prochain, c'est la tuture. Ah, puis il faut que je le loupe, il ne reste plus qu'une grenade. Ouh. Oh merde, il y a un mec d'abord. Ah bah non, j'ai changé d'arme. Oh. Évidemment, là, il était trop près. Alors, j'abats le mec qui sort de la végétation. Je peux éventuellement, dans cette même végétation, balancer un cocktail Molotov. Ce qui va repousser les mecs à pied pendant un petit bout de temps. Et à partir de cet enchaînement, on va dire honoré, tel que je viens de vous l'énoncer, je vais pouvoir prendre le lance-grenade en main et attendre que le pare-choc avant du véhicule se présente à moi. Je crois savoir que c'est la combinaison gagnante. Et après seulement, après tout ce boxon, je vais pouvoir me rééquiper de mon fusil de snipe et attendre deux bonnes minutes et pointer à 360 degrés qui essaye de me dégommer. Voilà. Allez, c'est parti. On y croit. J'aime bien parce que le mec, il a des allures de Walker Texas Ranger. Merde, une grenade. Non. Je croyais que j'avais des molotovs sur moi, mais j'ai merdé. Bon, les loustiques, ils sont où? Et voilà. À 6h, il a conduit. Voilà, magnifique. Ce qu'il fallait faire. Ah bah c'est bien, un petit feu de brousse. Non, pas trop près de moi, mais... Si ça peut me permettre de les calmer. Alors, sur toi du véhicule, ouais, je vais être... Bah merde, il n'y a plus personne, c'est une blague. Oh oh, si les flammes viennent lécher mon véhicule, ça va pas le faire. Je suis limite là. Ah ça va, ça s'est éteint. Ouf. Ah, c'est une prise de risque. Oh. C'est scandaleux. Oh. Tout rien ce jeu, c'est fou. Oh, ma cible est dans le village. Dans le Dagon Village. Dans le Dagon Village. Mais j'ai envie de faire une descente dans le... Dans le patelin, là, donc, que je voyais la hutte à la lunette. Parce que... Il doit y avoir une mission là-dedans. Bon, ça doit être un guépier, hein, doit y avoir du monde. Ou pas, c'est quoi ce merdier? Alors, je peux pas faire l'approche à faire péter les tonneaux explosifs, puisque je veux récupérer des munitions, faut pas que je les fasse flamber non plus. Oh, ça fait guet-apens. Ils sont tous planqués, c'est pas possible. J'accepte pas qu'il y ait... que ce soit si calme. Il y a une entourloupe quelque part. C'est le calme avant la tempête. Ah bah tiens. Ah oui, j'avais oublié que j'avais pas de silencieux. Coucou, je suis là. Alors, votre cache de munitions, elle est où, bande de sagouins? Les mains en l'air. Je vous réquisitionne. Vous êtes des brigands. Et il y a certaines casse-bas, on dirait pas, mais ce sont des silos à grains. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un buggy. C'est un buggy. C'est un joujou rigolo. Oh, j'aimerais tellement trouver des grenades de mon lance-grenade. Mais comment faire? Je vais m'évader en buggy. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait mumuse avec ce bolide. Ah. Oh, lance-grenade. Oui. Hasta la vista, baby. Je vais pouvoir me la jouer façon Terminator. C'est ça qui est bon. Eh, je suis vraiment surpris qu'il n'y ait pas autant de monde.
Putain, je m'attendais vraiment à plus de résistance. C'est vraiment étrange. Ces échappements de fou. Ah. Bah, au moins pour le bolide, ils vont à l'essentiel. Hein. Ils ont pas cherché à faire un truc ultra artistique. Alors le Dugun Village. Le Dugun Village. Pas où qu'on passe. Non. Africa, Dieu, belle Africa. Ocean des jungles du Tanganyika. Oui, je le disais, mais je la sens pas du tout cette configuration. C'est pour ça que je me suis arrêté comme un... Non, pas la carte. Qui c'est qui m'accueille comme une fleur là? Ah, c'était le mec qui voulait monter le véhicule, visiblement. Oh merde, il y a du monde. Ah, je peux pas avorter la procédure de mécanique. Il va m'abattre. Eh ben, j'ai eu beaucoup de bol. Oh, oh, j'ai eu beaucoup de bol. Je vais peut-être continuer à pied pour abattre ma cible. C'est peut-être ce que j'ai mieux à faire en fait. Au! Le vil gredin, il est pas mort. C'est moche. Une petite marche arrière. C'est moche. Hein. Merde, il y a du monde. Qui c'est qui a essayé de m'abattre? Qui se désigne le coupable? Qui se désigne? Il est où le brigand? Attends, je sais même pas d'où proviennent les tirs. Ce qui est pas rassurant. Monsieur Lance-Roquette. Bonne nuit, Monsieur Lance-Roquette. La nuit éternelle. Bon, là j'ai une pharmacie. Ah, c'était ma dernière menace. La musique est redevenue calme. C'était le mec au lance-roquette? Non, sérieux. Oh, j'adorerais qu'il y ait une patrouille qui se présente à moi, que je puisse faire joujou avec le lance-roquette. Et vu le nombre de routes, à moins que ce soit le gars que j'ai abattu, qui était la patrouille locale, je sais pas. Ah, j'ai envie de faire des bêtises. Envie de jouer avec le Launch Rocket. Ouin, j'ai pas de cible. Ouin. Ah, ça aurait été rigolo. Ça aurait été rigolo. Réquisition de matos. C'est à moi. Ah non, je peux même pas faire du foot avec le cajot. Je suis déception. Ou alors, vous savez quoi? J'ai le culot d'embarquer le lance-roquette avec moi et j'abats ma cible à distance avec le lance-roquette. Chiche. Chiche. Ouais, je sauvegarde là. Hop. Et j'ai... Voilà. Alors attends, mon lance-flamme, il est où? Ah oui, il est là. Avec un peu de chance, je pourrais le retrouver tout à l'heure. Et j'ai le culot d'abattre ma cible à... Alors attends, ma cible elle est quelque part par là-bas. Ouais, c'est derrière la montagne. Oh, ce serait trop stylé que j'arrive à l'abattre. Oui, il faut peut-être charger une bonne roquette dedans, ça peut aider.
Voilà, merci. Attends, comment ça se... Oh oui, bon, tu parles d'une lunette. C'est pas une lunette de snipe. Je vais aller à l'opposé. Ouais. La bonne formation rocheuse, à mon avis, c'est celle-là. Alors, il va falloir que je prenne le temps d'observer les lieux. Que je fasse un travail d'éclaireur. Ou pas. Non mais vous êtes sérieux? Attendez, encore un patelin où il n'y a personne? Ah non, je les surplombe pas, non c'est plutôt l'inverse. Donc je vais peut-être me la jouer modeste. C'est beau, oh, j'adore l'ambiance. Bonjour tout le monde, encore un mois de soutien. Ah oh, c'est gentil, merci FunFan. C'est bizarre, j'ai l'impression que tu t'étais... Ah non, t'avais offert des abonnements sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. Mais merci, c'est très gentil du geste. Et comme dit Aeroster, faites attention à vos sous-sous. Parce que les temps sont durs. Ah tiens, petite parenthèse inflation. On se fait entuber dans ma région. Dans le Grand Est, enfin moi plus précisément en Meurthe-et-Moselle. Les salopards dans la grande distribution, ils ont pas revu à la baisse les prix des matières premières. Et j'ai soupçonné de s'organiser pour maintenir élevés les prix. Ah bah c'était lui, j'ai gagné. Merci pour ta générosité. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai grand évidemment, mais un gros merci à toi. Oui, merci et bisous. Merci et bisous. Merci. Oh. Oh, c'est couillon, je me suis fait abattre bêtement. Oui, merci, FunFan. Alors tu vas rigoler, Aeroster. Parce que t'es en connaissance de cause. Cet après-midi, exceptionnellement, c'est parce qu'on est dimanche, j'ai pas pu jouer hier. Cet après-midi, je fais l'épisode commenté chez FunFan, en début d'après-midi, entre 15h et 18h. Donc il continue Sanitarium. Et je vais devoir, figure-toi, guider FunFan dans la fameuse énigme du milieu du jeu, là. Je sais même plus comment on l'appelle, l'énigme. Ouais. Je crois qu'on va vivre un moment drôle. À 14h ! Très bien. Oui, non, mais c'est très bien, 14h. Ouais. Oui, c'est le labo. Oui. Il va falloir que je fasse comprendre à FunFan ce qu'il faut faire. Je te cache pas que j'appréhende vraiment ce moment. Je crois que vous allez rigoler d'une certaine manière, on va dire, tout à l'heure, sur chez FunFan. Parce que ça va être la galère pour moi. Oui. Non, mais... Ne t'en fais pas, FunFan, pour l'horaire. Tu comprends ma confusion? C'est très bien que ce soit 14h. Non, parce que pardonne-moi, mais j'ai rien relu, moi, depuis, FunFan. Je suis tout à l'arrache, là. Mais ce qui est pas plus mal, d'ailleurs. Alors, j'avais fait quoi? J'étais monté sur les escaliers. Attends, j'avais grimpé les... J'avais tiré où avec mon lance-roquette? C'est le mec qui était là que j'avais dégommé, que j'avais gagné. Non? Merde, c'est pas parce que... Personne ne me tire dessus impunément. Prétentieux. Bah, où est ma cible? Ah, c'est lui. Coucou. Ah oui, merde, c'est vrai qu'il faut changer de roquette pour le coup. C'est pas instantané. Ah merde.
Ah non, je pensais pas que le souffle de l'explosion allait péter la caisse de munitions qui est à côté de moi. Du coup, ça m'a tué. Oh, je pensais que la casse-bas allait parer. Oh là 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 là. Ah non, là, je suis déçu, là, pour le coup. Qu'à de le dire. Bonjour, le baron. Allez, j'élimine ma cible et je me barre. J'ai trop le boxon dans ce village africain. C'est magnifique. Voilà, j'ai gagné. Ah, il y a monsieur tir de mortier. Ah, il essaie de me viser encore ou pas ? Mon véhicule, je l'avais rangé où ? Oula ! Oh, oh, oh ! Le jeu qui a pas suivi et qui a refusé d'afficher la carte. J'avais une carte complètement vierge. C'était devine où sont les trucs. Wouh ! Bah. Oh non ! Non, là, c'est abusé. C'était drôle. Oh, il m'a sucré mon lance-flamme, je suis sûr. Oh là là. Un lance-roquette peut en remplacer un autre. Oh, je me suis fait liquider comme un gros vilain. Bah, moi, je vais bien, merci. Bah écoute, le baron, j'espère que tu vas bien toi aussi, mais sache que ma webcam fait grève. Ouais, tu sais, je cherche pas à lutter. De toute façon, à 14h, là, je zapperai chez FunFan, je vais pas me battre avec la webcam. Avec un peu de chance, elle reviendra pour ma deuxième partie de dimanche ce soir. Mais c'est pas grave. C'est con mais c'est drôle. Moi j'aime bien. Ça me fait rigoler. Oh, Pop and Ripop! Bonjour! Ah, merci à toi de passer faire un coucou. J'espère que tu vas bien. Eh bien, alors que je continue de faire mon foufou en Afrique. Afrique, adieu, belle Afrique. Bon, alors. Attends, il y a bien un mec qui a envie, là. Il a plus peur, il s'est barré. Il est parti dans le village d'à côté. Là, où... Ah non, mais il est là-bas. Est-ce qu'on reste ici, allez ? Mais l'autre, il a eu l'arrogance de me répondre tu me toucheras pas, tu me toucheras pas. Incroyable. Ah merde. Ah bah en Afrique, c'est très sportif là, comme on peut le voir, bien agité. Mais je vais bien, merci. J'espère que toi aussi. J'espère que toi aussi. Oh, j'arrive plus à prononcer. J'ai l'excitation du moment. Ouais, tu vas bien, Baron. C'est cool. Bon, j'espère que Pop and Ripop, c'est pareil. Même reconstat. Ouais, tu vas bien aussi. Super. Bon, bah, c'est cool.
Moi, je vous cache pas que je suis bien content d'être dimanche et de pouvoir me changer les idées et de me reposer. J'appréhende la semaine prochaine, qui va pas être triste me concernant. Enfin bon, bref. Bon, est-ce que je peux me barrer comme un voleur avec la bagnole, mais pour aller où? Le plus loin possible, j'ai envie de dire, instinctivement. Je vais me barrer par là où ils sont pas manifestés, c'est-à-dire ici. Ah bah. Merde, j'ai loupé. Je voulais le renverser, j'ai pas réussi. Ah! Ils m'ont eu, les salopards. Oui, oh, t'es adorable, merci pour Benry Pop. Non, mais y a rien de grave. Mais si tu veux, j'anticipe. Je sais que j'ai pas mal de trucs à faire et que. Bon, il est vrai qu'il faut souhaiter que ça se passe bien. Et faut que je m'organise bien. Mais je ferai ça à tête reposée demain. Demain, je vais peaufiner mon agenda de la semaine pour savoir comment j'enchaîne les événements. Mais en fait, c'est un événement heureux. Ils sont chiants. Attendez, je zigouille le moustique. Si je peux. Vache. Oh merde, ça va péter. Bon, allez, je me barre. Oui, donc je disais, c'est un événement heureux qui m'attend la semaine prochaine. Parce que depuis la satanée pandémie, je vais avoir plaisir enfin de bavarder avec des Japonais que je reçois sur Nancy. En fait, dans ma ville, on a deux événements majeurs la semaine prochaine. Ils sont chiants. Allez hop, là tu j'ai vendu. Ah, il y a de l'action, hein. On voit qu'on est à la fin du jeu, hein. Ça n'arrête plus. J'ai plus le temps de souffler, ça pète de partout. Allez, encore une autre patrouille, mais bien sûr. Oh vache, j'ai failli me prendre un débris. Allez. C'est ça, descends de ton véhicule. Bang, bang, bang. Eh bah, ça fait plaisir. Je suis livré d'un véhicule. Que demande le peuple? C'est limite si je retournerai pas dans le village pour reprendre des munitions, parce que... Mais c'est pas vrai. J'entends encore du grabuge. Oh là là, mais ils sont combien? Fais-moi péter la Jeep à distance, j'en ai marre. Je lui ai laissé toutes mes munitions, mais... Oui, donc je disais, événement heureux en ma ville la semaine qui arrive. Parce qu'on fête les 40 ans d'enregistrement à l'UNESCO de trois places, dont la place Stanislas à Nancy. Et on fête un demi-siècle, c'est juste énorme quand on y pense. On fête 50 ans de jumelage avec le Japon. Je me permets de vous rappeler que la ville de Nancy est jumelée à la belle ville de Kanazawa. Et... qui se trouve littéralement d'ailleurs au centre du Japon. Et... Oh la vache. Et... Donc on reçoit une délégation officielle. Bah là ils sont sur Paris au moment où je vous parle. Ils profitent de la capitale. Et il débarque lundi. Et je crois savoir qu'il reste presque toute la semaine. Il faut les gérer lundi, mardi, mercredi.
C'est cool, on s'est réparti les rôles au niveau organisation dans la ville. Mais l'idée de voir des visages nouveaux de l'autre bout du monde, ça me réjouit en fait. Donc ça va évidemment bien m'occuper, mais l'événement est heureux. Et puis il y a toujours la nervosité de se dire, pourvu que le séjour se passe bien, qu'on arrive à bien recevoir, à bien... Voilà, à enchanter nos invités. Voili, voilou, vous savez tout. Ouais, non, c'est cool, mais... Non, mais ça fait peur. La dernière fois que j'ai eu une conversation en japonais, ça remonte à... 4 ans maintenant, je crois. Oh là là. J'ai beaucoup perdu de la pratique de la langue. J'espère que ça va vite revenir. Mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, ça y est, je crois que ça s'est calmé. Les acharnés qui s'étaient passé le mot pour me trucider sont tous morts. Alors, suite du programme, je retourne voir les mercenaires à la marina ou je vais dans la capitale. Fun fan, canaillou. Aïe aïe aïe. Ouais. Du coup, je suis en train de me rappeler des souvenirs. Des souvenirs marrants avec la communauté japonaise. Mince, je me suis planté. C'est pas comme ça que je voulais lire la carte. Tu me diras si je peux prendre le chemin qui mène à l'armurerie, ça m'arrangerait. Parce que là, d'avoir fait mon Rambo, je suis pas à poil, mais j'ai plus tout mon attirail. Donc, si je pouvais refaire le plein d'armes avant de rentrer dans la capitale, et on aurait ma mission prochaine. Aïe 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 aïe. Et on a déjà perdu Fun Fan. Il est parti dans son délire. Oh. Bah, qu'est-ce que c'est que ce chargement à la noix? Voilà, doucement, c'est un des virages en... Oh. La première fois que le jeu bug comme ça, me faire du clipping pas beau. Enfin, du coup, j'en pète le pont. Tellement que ça m'a choqué. Oui, ton jeu. Oui, mon jeu a pas aimé ta blague, ouais, c'est ça. Oh. Oui, non, t'as un problème, mon gars. Allez. Oh. J'ai même pas le temps de tirer à la roquette. Enfin, à la grenade. Le boxon. Mais on voit que les ennemis sont surexcités à la vitesse à laquelle ils se ruent sur moi. Aïe, 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 aïe. Oui, le bordel. Le bazar, le boxon, le bordel. Je sais même plus. J'ai une commande ou j'ai un son comme ça où je dis que c'est bazar, le boxon, le bordel. J'ai pas un truc du genre plus bordel ou je sais plus quoi. Plus bazar. Je crois que si vous inscrivez plus bazar, ça va fonctionner. Le chapi, chapeau, chapeau. Le premier qui dit chapu. Le chapi, chapeau, chapu, chapu, chapu. C'est un scandale.
Eh oui, Pommed Ripop. Ouais, ouais. C'est les pros de la fin de jeu, ouais. Ça déconne zéro, hein. C'est... Mais c'est... Bon, voilà. C'est... Ça a le mérite de bien rythmer le jeu. Mais je m'inquiète un peu, là, d'avoir des chargements à rallonge. Je suis pas habitué de la part du jeu à ce qu'il me fasse des... Ah, vous me direz. Je dois vous avouer qu'en arrière-plan, j'essaie désespérément de mettre à jour The Elder Scrolls Online. Et comme c'est un jeu monstrueux de plus de 100 gigas, ça, je pense que ça aide pas. Comme c'est le même disque, hein. J'ai un seul disque qui est dédié aux jeux vidéo. Ah mais merde, mais j'étais à 15 bornes moi quand j'avais sauvegardé. Donc je me recoltine toute la route. On va peut-être assister au même bug, je sais pas, à voir. Oula, il y a un truc qui m'a lâché en USB, là on a entendu la doom, les doom. Ouais, bah oui, c'est logique, ça a pu se coincer, ouais. Non, je pense que c'est ça. Bon, bah, je suis désolé du désagrément, mais... Voilà, j'ai l'USB en folie, là. Vous entendez le chant du... Oh, ce clipping. Non, je crois que je vais délibérément débrancher ma webcam, parce que l'ordi devient fou, là. Ah oh merde. Recharge, couvre-moi. Bon bah je les ai eu. Mais j'ai plus de véhicule. Sniff. Oui, de toute façon, l'armurerie est juste à côté, donc c'est pas un souci. Et puis, avec un peu de chance dans l'armurerie, il y aura un véhicule. Ah, je veux peut-être courir un peu. C'est pas comme si le bâtiment convoité était encore à un peu plus de 50 mètres. Wouh, dans la cambrousse, on voit rien du tout, c'est la jungle. C'est la jungle africaine. Il est où le bâtiment? Bah heureusement que j'ai une carte parce que pour réussir à partir à la découverte des lieux dur dur. Ah bah oh tiens, là le grillage du. Voilà, il y a mon véhicule qui m'attend, que demande le peuple. Oui non, la réserve est là. En fait j'ai rien à commander moi. J'ai déjà tout. Ah oui, j'avais le lance-roquette. Il faut peut-être que je m'assure que je reprenne la bonne arme. Oui, non, le lance-roquette, on va arrêter. Non, le lance-flamme était bien. Le lance-flamme était bien, pardon. La capitale. On y est presque, on y croit. Courage. On va l'atteindre. Donc effectivement, ouais, il met en rouge la capitale. Ceci explique au chola. Ah oui, mince, il y a des loustiques là. Oh, ils sont chiants. On va pas se mentir. Tiens, ils ont tardé à réagir. Bizarre. Je vais pouvoir atteindre la capitale sans encombre. Moi je dis, c'est loustique, ils sont pas trop malins. Ils ont pas tué, fut. Le baron est un farceur. Il a placé une bombinette dans le chat. Je t'ai vu, le baron. Et je te donne raison. Ah là là. Ah merde, dommage. Loupé, Pommed Ripop. Pidu. Pidu. Alors, ah ouais, j'ai les deux camps qui s'affrontent. Je vais trouver quelqu'un. Ah, raccroche pas. Hey, j'ai quelque chose de pas mal. Le Major Tambossa n'a pas de mission aujourd'hui, mais j'ai peut-être quelque chose. Ah bon? L'UFLL retient quelqu'un à la brasserie. On sait pas qui, mais pas quelqu'un d'ici. Peut-être important. On me l'a dit, je le répète. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mmh.
chance. Mm-hmm. Ça va être ma dernière mission du jour. Ça fait longtemps que t'es dans quoi, hein? Un moment. Je fais celle-là, puis après on passe sur du carambolage de bagnole. J'irai me défouler sur du flat out. Ouais, surtout que ça fait déjà 2 heures que je suis dans Far Cry, c'est un peu abusé. Non. Attends, je vais passer à pied par la montagne pour essayer de rejoindre la rivière et atteindre plus rapidement mon objectif. Bon, on va marcher paisiblement le long de la voie ferrée. Je pense pas que prendre un véhicule soit une bonne idée. On a la Jeep à vue, mais je sais, est-ce que je peux... Ah si, c'est une route. Bon, allez, je vais shipper la Jeep et on va voir jusqu'où... Histoire de pas trop traîner la jambe, on peut le dire. Oh, puis c'est tout confort. C'est la Jeep de luxe. J'ai dû shipper une des Jeeps du roi, là. C'est pas possible. Oh, merde. Je pensais pas que j'allais arriver là. Ah. C'est pacifié, c'est une embarcation, ça me va très bien. Eh ben, on va faire mumuse. Et là, tu peux le dire, mon cher fun fan, bateau. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on... Ah, j'ai plus de voix. C'est la première fois qu'on prend le chalutier. Oh, il est beau, c'est ça. Bateau. Il est beau. Il est beau ce bateau. Il y a des jeeps de la feu reine d'Angleterre. Ouais. Et alors je me permets de rappeler que la reine Elisabeth II, elle avait fait une formation militaire. Hein. Elle avait fait entre guillemets son service à l'anglaise. Elle était capable de vous réparer le moteur d'une jeep. C'était pas une légende. Ça avait été certifié. Elle était sortie de son service militaire, sortie de la guerre. Elle était parfaitement capable, elle était douée en mécanique, il paraît. Elle pouvait vous réparer un moteur. La classe, quand même, pour une reine. Ok. Donc, ma cible juste en face. Alors, je relis les instructions de la mission avant de prendre en main le truc de mitraillage. Libérer l'otage dans le bâtiment. Ah merde. Je peux pas faire Rambo, il faut que j'y aille de manière subtile et intelligente. Sniff. Parce que là, j'étais parti pour tuer l'otage. Je voulais faire de manière bourrine, mais j'ai pas le droit. Il n'est pas droit de faire la version bouine. Je suis déçu. Je vais devoir être subtil. Ah! Oh non! Ah oui, j'ai eu peur. Ne me dis pas que je ne peux pas accoster. Alors. Mais c'est la distillerie ici. C'est là où ils transforment le sucre de canne en alcool local. Ils font du. Comment on appelle ça? Du rhum, là, je sais pas quoi. Ah, t'as fait tes courses, tu une scène. Ouais. Ah, j'ai... tu sais quoi, tu une scène. J'ai pas vérifié le prix des plateaux crudités. Le pire, c'est que je suis allé faire mes courses la semaine dernière. Cette semaine, sans qu'on est dimanche. Et je suis passé devant le rayon sans y penser, tu vois. Parce que j'avais guère l'intention de me faire un plateau crude. Oula, c'est surprenant que les gars m'aient pas vu. T'es sûr qu'il y a quelque chose par là ? Je suis sûr de rien, mon pote. Surprise, motherfucker ! Mais ils sont cons à ce point ? Oh, mais c'est fou !
suis resté planqué dans les bosquets, ils m'ont prévu. Ça, je m'attendais pas à avoir un tel degré de liberté. Non, par contre, je vais essayer de me faire une recette cette semaine. Je vais me faire plaisir. Je vais, pour vous donner l'idée, je vous en reparlerai sûrement dans mon Discord. Je ferai des photos. Je me suis acheté de la farce, vous savez, de tomates farcies. Je me suis acheté un demi kilo de farce. Et je vais essayer d'en faire des raviolis. Je me suis acheté de la paille feuilletée ou brisée, je sais plus, je retiens jamais les différences. Et je vais essayer de m'en faire des... Je vais me cuire la farce dans du jus Knorr, là, vous savez, bouillon de viande. Et une fois que ma farce est cuite, je vais l'enrouler dans de la pâte et essayer de m'en faire des petites boules de chair. Dans la pâte feuilletée. Je sais pas pourquoi, j'avais cette idée en tête depuis 15 jours et j'ai très envie de le faire. Donc j'ai acheté les ingrédients, je vais essayer de me faire ça lundi ou mardi. Et je vous donnerai sûrement suite dans mon Discord de ma recette improvisée. C'est sûrement un truc qui existe déjà, mais je sais pas, j'avais une envie. Léonie dit t'acheter un demi kilo de farce et tu éclateras de rire en la mangeant. Oui, excellent Léonie. T'as, t'imagines, la viande elle est droguée, elle te rend euphorique. Oh, ça sent horrible. Alors l'otage doit être dans le bâtiment. C'est là où je suis un enfoiré, je suis le contraire de la mission Jabba l'otage. Les mecs ils peuvent plus demander de rançon. Alors ce qui est endroit. Non, j'ai voulu sauvegarder et le jeu a sauté. Alors, nous pouvons observer que The Elder Scroll est en train de se mettre à jour, voyez. Voilà pourquoi j'ai des ralentissements. Tiens, d'ailleurs, il m'a décalé la fenêtre. Je l'avais bien mise à l'angle. Il me l'a refoutu au centre de l'écran. Bon, c'est pas grave. La mission, de, je la ferai un autre jour. Allez, on va passer sur Flatout. Hein. Je vais pas chercher à me battre. Je vais pas chercher à me battre. Didouda, didouda. Alors, flat out. Le petit flat out des familles. Mince, pardon, je suis en majuscule. J'ai pas